Bonjour la grande famille, bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Claire Bouchidi. Aujourd'hui, nous allons préparer le poulet shawarma. En tout cas, c'est une recette libanaise d'après ce que j'ai lu et c'est super bon. Donc, tout ce qu'on a utilisé comme épices en poudre, c'est écrit et c'est pas compliqué. Je viens juste ajouter les yaourts, yaourt nature. Et après, un peu d'huile d'olive. Et après, on va ajouter du citron. Je viens tout mélanger. Comme ça, on va obtenir une pâte homogène qui nous servira pour épicer les poulets. C'est vraiment très, très simple. On met les épices de côté et là, on va maintenant découper les poulets en morceaux. Je ne sais pas trop si on va appeler ça morceaux. Tu vas voir comment je vais les découper. Et après, on va les mélanger aux épices. En tout cas, j'espère que tu as passé des belles fêtes de Pâques. Pour moi, ça va. En tout cas, la résurrection de Jésus, ça reste vraiment la clé, la base de notre foi chrétienne. Et après cela, on va juste tout mettre dans la pâte d'épices et après on viendra tout mélanger. C'est vraiment, ça va vite, c'est très très simple comme recette, mais les goûts qui en sortent, c'est vraiment très très bon. Voilà, et après, on mettra des côtés. Tu peux mettre toute une nuit dans la marinade ou tu fais... Moi, j'ai mis 4 heures, je crois. Voilà, donc au bout des 4 heures, on vient chauffer la poêle. On met un peu d'huile. Tu peux les faire comme on fait les kebabs. Normalement, c'est ça la base. Mais moi, j'ai préféré les passer à la poêle. Donc, tu viens poser juste la viande dans la poêle. Et tu laisses frire 3 à 4 minutes, en tout cas jusqu'à ce que ça colore. Et là, tu vas tourner. Donc, l'eau qui sort de là, il faut juste le mettre dans un récipient et on l'utilisera un peu plus tard. Donc, tu retournes le tout et tu continues à retourner jusqu'à la bonne coloration. Moi, je suis satisfaite là. Je viens les sortir. Regarde comme c'est beau déjà visuellement. Ça fond parfaitement dans la bouche. Tu manges avec tout ce que tu veux. Moi, j'ai juste mangé avec la salade. Donc, je viens découper un peu et après, je les mets sur l'assiette. Mais tu peux les manger comme tu veux. Tu peux même les mettre à l'intérieur de la salade. Bon, j'espère que tu as appris quelque chose. À la prochaine!